Ça va bien? Ouais, super. Le voyage s'est bien passé? Ouais, ouais. À part mon copain, il a froid, là, le pauvre, avec ses cheveux. Il faut qu'on lui achète un bonnet. C'est caille, hein, du Bengale. Hein. Ouais, ça va, ça va. J'adore la Corse, donc franchement, c'est beau. C'est bientôt la fin du monde. Oh non, non, ne me dites pas ça. Qu'est-ce que vous allez faire là pendant les 3 jours à Miribel? Ah, du ski à une bloc. Il reste 10 jours, c'est ça? Un peu moins, 9. Donc j'ai skié pendant 9 jours, jour et nuit. Il va rien arriver ici. Savoie ou de Savoie, ça peut jamais finir. J'ai pris toutes mes affaires, j'ai pris tous mes caleçons, mes chaussettes, j'ai rien laissé chez moi. Et j'ai pas dit au revoir à ma femme et je suis parti comme ça. De toute façon, je la reverrai jamais, donc c'est pas très grave. Puis j'avais pas envie de la revoir non plus, donc j'ai profité. Il paraît que c'est sympa et puis dans le bus, j'ai fait déjà connaissance. Vous êtes venu chercher votre fille, vous? Oui, mais on va essayer de partir tout de suite, tout de suite. Je viens d'arriver de Paris et c'est parti là. Une demi-heure de piste à venir, on lâche rien. Je travaille, oui, oui. Vous devez pas travailler, je crois. Il faut que je boucle absolument avant la fin du monde tous mes petits rendez-vous pour après. Je veux du 40 fillettes depuis tout à l'heure. Il faut être un homme ici, apparemment, pour être respecté. Moi, je suis seule. Ils sont pas galants, c'est des gens de la com. Super bien respecté. Voilà, je me pousse encore un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de champions du monde. Ça va aller. Vous avez vu le silence des agneaux? Non. Non? Non, parce que vous faites un peu penser à ça, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. J'ai essayé médecine, j'étais pas très bon, j'ai fait journaliste. C'était moins compliqué. Ça demandait moins de culture. Alors c'est horrible parce que j'ai une grosse fiesta spéciale fin du monde de 21 sans les enfants et je me dis c'est peut-être un peu vache de laisser les enfants à la maison pour le dernier jour de vie. Là pendant 3 jours, je pense qu'il faut penser au bonheur qu'on a d'être ensemble quand même. Parce que franchement, la chance qu'on a d'être ici, tous en pleine forme, c'est déjà un petit cadeau du ciel quand même.